chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète. Les églises des pays des trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Vive. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à la sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix du Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'Évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous commençons encore une édition de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Soyez bienvenus à cette programmation qui est produite spécialement pour vous, pour toute votre famille. Dans le tableau d'aujourd'hui, les sons du Manaïm, les pasteurs Daniel Moreira et Serge Souza, dans la thématique « Le Seigneur Jésus à l'Ancien Testament », vont continuer à aborder les révélations à propos du Seigneur Jésus, le tabernacle. Dans le tableau Parfaite Louange, la professeure Janaïne Zumak va continuer à enseigner la louange « Viens vers le milieu » maintenant pour la flûte douce. Et dans l'étude des enfants intermédiaires et adolescents, la professeure Andrea Canal va nous parler sur la thématique « Jésus à la porte ». Mais avant, nous allons connaître encore Manaïm du Brésil, cette fois-ci le Manaïm de Curitiba, à l'état de Paraná. Le Manaïm de Curitiba est situé dans la zone urbaine, à la capitale, dans la divise avec la ville de Pinhais. L'endroit, la propriété a été achetée en deux étapes, d'abord en 2002 et après en 2006. Actuellement, avec une aire totale de 7 500 m², l'espace construit de à peu près 2 600 m². Même s'il est dans une région urbaine, le Manaïm de Curitiba, c'est un bel espace de jardin et paysagisme qui permet de recevoir 1 200 personnes et dans des événements spéciaux pour vivre des moments de profonde communion avec Dieu. Après, les belles images du Manaïm de Curitiba qui ont été enregistrées avant la pandémie, assistez au tableau « Les sons du Manaïm ».
des salutations fraternelles aux églises dans l'état du Paraná. Ça, c'est le tableau Les Sons du Manaim. Les Sons du Manaim. Que Dieu bénisse à tous, dans la paix du Seigneur Jésus. Pasteur Sergio, la paix du Seigneur, Pat Seigneur, paix du Seigneur, c'est une satisfaction de compter avec votre audience. Le Seigneur Dieu, il a une bénédiction réservée pour votre cœur et votre famille. Nous avons reçu plusieurs messages avec des témoignages et des expériences sur la programmation en annonçant l'Évangile éternel. Et vous aussi, vous pouvez participer. Comme vous voyez, à l'écran, il y a un QR code. Vous pouvez diriger la caméra de votre smartphone vers ce code et vous allez être redirigé vers un numéro WhatsApp à travers lequel vous pouvez nous envoyer un message, une suggestion, un témoignage ou une expérience. Participez. Envoyez votre expérience, votre suggestion, votre question. Nous allons citer quelques messages que nous avons reçus dans la dernière semaine. Nous avons eu le message de Flavio Alves Félix de la ville de Cariacica, dans l'état du Espírito Santo, au Brésil, qui a dit « Quel enseignement merveilleux sur le tabernacle et Jésus à l'Ancien Testament. Quelle richesse cette œuvre nous apporte à propos de la Trinité. » Harold d'Itapuan, dans l'état de Santa Catarina, au sud du Brésil, nous a écrit « Quand j'acceptais Jésus comme mon sauveur, un des sujets appris au Manaïm a été sur le tabernacle. Aujourd'hui, en regardant la programmation en annonçant l'Évangile éternel, en parlant sur le tabernacle, c'est un renouvellement pour la vie spirituelle. » Aussi, le pasteur Gladstone de l'état de Maranhão, dans la ville d'Impératrice, il a écrit « Dans le tabernacle, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu saint une fois par an, dans le jour de l'expiation. Aujourd'hui, il rajoute, nous avons un souverain sacrificateur éternel, le Seigneur Jésus, et nous pouvons aller jusqu'à lui tous les jours. » Contribution très importante. Samuel Maia d'Ipatinga, dans l'état de Minas Gerais. Les typologies sont plusieurs. Et nous pouvons dire que le Saint-Esprit a établi dans nos vies comme tabernacle et temple, car nous ne sommes plus de ce monde. Nous avons parlé sur Jésus à l'Ancien Testament et le salut, en montrant la richesse prophétique entre des figures, des personnages à l'Ancien Testament et le ministère du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous allons donner la continuité au sujet sur le tabernacle, en mettant en évidence quelques-unes de ses caractéristiques historiques et prophétiques. Nous allons commencer en lisant la parole de Dieu en Exode 25, 8 et 9, qui nous dit « Ils me feront un sanctuaire, j'habiterai au milieu d'eux, selon tout ce que je te montrerai comme le modèle du tabernacle et comme modèle de tous ses ustensiles, ainsi même tu le feras. » Le sanctuaire était le tabernacle révélé par Dieu, établi et complètement révélé par Dieu, exactement. Gloire au Seigneur. Le tabernacle, comme nous lisons ici, a été établi par Dieu et comme un endroit afin que la gloire de Dieu puisse habiter. Depuis la sortie d'Israël de l'Égypte jusqu'à la terre promise du Canaan et après le passage du fleuve Jourdain par le fleuve Jourdain jusqu'à la construction d'un temple, le tabernacle a été utilisé. Nous voyons le long du premier livre de la Bible, la Genèse, que le Seigneur avait marché avec son peuple. Adam et Ève, Enoch, les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, le Seigneur avait marché avec eux. Mais maintenant,
à partir de la sortie du peuple d'Israël d'Égypte vers la terre de Canaan. Maintenant, Dieu, il voulait habiter avec son peuple, pas seulement marcher. Non, il voulait plus, il voulait habiter. Il voulait habiter, et nous allons nous rappeler dans la carte ici, l'itinéraire d'Israël depuis l'Égypte jusqu'à la terre de Canaan. Regardez ici, Canaan. Donc, ils ont quitté l'Égypte, n'est-ce pas, Sergio? Ils ont fait le passage glorieux par la mer Rouge. La mer Rouge s'est ouverte, ils ont traversé à pied sec. De l'autre côté, Myriam a chanté: Seul le Seigneur est Dieu, seul le Seigneur est Dieu. Amen. Dans cette marche qui a pris 40 ans par le désert jusqu'à arriver à Jéricho, la frontière avec Canaan, pendant toute cette marche, Dieu a révélé à ce peuple qu'il était un Dieu qui allait pourvoir toutes choses. Rien ne manquait. Dans le désert, il avait la nourriture, l'eau, tout donné par le miracle de Dieu. En revenant au tabernacle, dans tout le tabernacle, il y avait une proposition prophétique. Quelle est la proposition prophétique? C'est de présenter le Seigneur Jésus dans tout le matériel utilisé dans le tabernacle, dans tous ses ustensiles, dans la forme, dans le dessin. Nous voyons donc maintenant la figure, nous allons montrer, illustrative du tabernacle. Voici les cortines, enfin les rideaux, la porte, l'autel de l'Holocauste, la porte à l'entrée. Il y avait donc des rideaux avec quatre couleurs. Nous allons parler sur ça aujourd'hui. Et c'était une porte large. Et nous allons parler d'un aspect prophétique sur ça. Donc ici commençait l'entrée. Ici c'était le chemin vers la gloire de Dieu. Et afin d'arriver à la gloire de Dieu, il était nécessaire plusieurs actes, tous révélés par le Seigneur, la préparation et tous prophétiques, tous prophétiques. Gloire au nom du Seigneur. En vérité, Sergio, depuis les murs en lin jusqu'aux colonnes, les autres matériaux, nous allons voir une présentation prophétique à propos du Seigneur Jésus comme sauveur, comme juge, comme prophète, et c'est lui qui est le seul digne de recevoir l'adoration. Il est vrai, et c'est pour cela que, à chaque révélation, observez, à chaque révélation où le Saint-Esprit nous présente, en montrant ses aspects prophétiques, glorieux du Seigneur Jésus, plus nous l'aimons, plus nous aimons le salut, plus nous aimons l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Quand le Seigneur a ordonné la construction du tabernacle, il a dirigé Israël par rapport à sa localisation autour du tabernacle, de telle manière que aucune des 12 tribus d'Israël était éloignée. Mais ils allaient être à la même distance et ils allaient se garder tous positionnés comme Dieu l'avait révélé, comme montre l'illustration. Ici se trouve donc le tabernacle qui montre son, le, donc le, la tente, la couverture de la tente et la position des tribus. Trois au nord, trois au sud, trois à l'est, trois à l'ouest. Il est intéressant, Daniel et tous, que les tribus, ils étaient dans ces positions, mais n'étaient pas n'importe comment. Elles n'étaient pas n'importe comment. Elles étaient attentives au son de la trompette. Ce son était fait par les Lévites qui allaient diriger, orienter les tribus, soit pour qu'ils marchent, soit pour qu'ils restent dans le même endroit. À chaque son de la trompette, chaque type de son, donc il y avait une orientation précise. Il est évident, Sergio, ici, que au centre du campement d'Israël, il y avait le tabernacle.
Jésus, c'est notre tabernacle, le centre de tout dans la vie d'Israël dépendait du tabernacle, parce que il bougeait ou s'arrêtait à la mesure que le nuage il avançait ou il s'arrêtait. Il marchait selon la volonté de Dieu. Il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Tout était révélé, tout selon la volonté de Dieu. Maintenant, cela n'a pas changé. Parce que nous sommes en train de voir Jésus à l'Ancien Testament et le salut qui se trouve au Nouveau Testament, le salut établi. C'est-à-dire, toute la prophétie du tabernacle montre aujourd'hui le Seigneur Jésus révélé et conduit qui est non plus un peuple dans cette marche dans le désert, mais une église fidèle vers la terre promise, qui est la Canaan céleste. Gloire à Dieu. Israël, il devrait observer toute une organisation détaillée et révélée par Dieu. Et en tout cela, nous allons voir, nous sommes en train de voir des aspects prophétiques sur le Seigneur Jésus et l'Église fidèle. Nous allons commencer à voir les détails du tabernacle par la partie externe, où la foule, les Israéliens se trouvaient. Ils marchaient vers à l'intérieur de ce mur de lin, de fin lin retors, vers donc la cour intérieure. Nous allons voir au chapitre 5 du verset d'Exode quelques matériaux que Dieu avait révélés pour être utilisés au tabernacle et ses aspects prophétiques, en rappelant que Dieu, il a pourvu tout afin que le peuple pouvait construire le tabernacle. Saint-Jean, est-ce que tu peux nous parler nous rappeler les matériaux utilisés à l'extérieur du tabernacle? Oui, nous allons commencer à parler et en montrant aussi quelques illustrations. En Exode chapitre 25, verset 9, il y a une description où donc la cour, c'était cette partie externe, cette cour ici, était entourée par des rideaux de fin lin et retors. Donc, les rideaux entouraient toute la cour avec les colonnes. Ils étaient soutenus par des colonnes. Plus loin, nous allons parler de chaque matériau. Mais nous allons parler maintenant en faisant référence au fin lin retors qui parle de la sanctification. Et le Seigneur Jésus est trois fois saint. Saint, 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 selon ce qui est enregistré par le prophète Isaïe, prophétisé. Regardez ici, Isaïe 6, 3. Ils clamaient les uns vers les autres en disant: Saint, 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 c'est le Seigneur des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Gloire à Dieu. Donc, ce Seigneur des armées ici, il prophétise sur le Seigneur Jésus. Et les rideaux, en revenant, les rideaux de fin lin, naturellement, pour préparer tout cela, il y avait beaucoup de travail. C'était un grand effort. Tout avait un ordre révélé. Il y avait une tribu dédiée à ce service, qui était les Lévites. Donc, ce n'était pas de n'importe comment. Et là, Daniel, nous voyons encore une prophétie de la même manière que le peuple d'Israël, cette tribu spécifique, devait travailler avec le fin lin retors, le lin doublé. L'Église fidèle, l'Église du Seigneur Jésus, elle se manifeste, cette Église est sanctifiée, obéissante, dédiée, en servant le Seigneur de tout son cœur, en manifestant ce témoignage qui répond toujours à l'enseignement qu'il y a dans la parole, dans la lettre aux Hébreux, chapitre 12, verset 1er, qui nous dit: Donc, nous aussi,
parce que nous sommes entourés d'une si grand nuage de témoins, laissons tout embarras et le péché qui de si près nous entoure, et courons avec patience la carrière qui nous est proposée. C'est une carrière, c'est une marche, c'est un appel, c'est un appel. Béni soit le nom du Seigneur. Donc, ces jours, Selin et Rotor, comme tu nous as déjà rappelé, était déjà un parallèle prophétique qui pointait vers la sainteté du Seigneur Jésus. Et avec la sainteté et l'obéissance qui seraient des marques de l'Église fidèle. Justement, même pourquoi apercevez-vous, si le Seigneur Jésus se dédie, elle s'occupe à préparer cela, maintenant dans l'aspect spirituel, prophétique, cette Église, elle est pure, elle est sur l'action du gouvernement du Saint-Esprit de Dieu. Et la parole dit que sans sanctification, personne verra le Seigneur. Maintenant, ces jours, nous devons observer que l'Église fidèle est pointée dans cette grande construction prophétique, le tabernacle, qu'en vérité, c'est une œuvre de Dieu, du Saint-Esprit, pas d'homme. Il montre prophétiquement quoi? Que l'œuvre que Dieu fait aujourd'hui, c'est la même. D'un corps qui s'unit dans l'orientation de la tête, qui est le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Ce rideau, c'est-à-dire les rideaux, entouraient tout la cour externe. Mais à l'entrée, il y avait donc un rideau spécial, c'est-à-dire c'est cette partie ici. Donc c'était la porte, une entrée, c'était la porte. Donc le rideau était soutenu, la Bible dit, par des colonnes en bois avec les bases en airain. Et des détails en argent, comme se trouve ici dans la figure illustrative. C'est la base en airain, la colonne en bois et la partie supérieure en argent. Et ici, donc, ces boucles ici, ces crochets en argent aussi. Les bases d'airain ont été révélées par Dieu afin de ne pas souffrir avec la corrosion du contact avec le sable du désert. Il paraît un détail simple, mais ce n'est pas. Nous montrons quoi? Le parallèle prophétique de la représentation de la justice de Dieu selon Romains chapitre 5, verset 1 qui dit: Justifiés donc par la foi, ayons paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Toute donc le rideau de la cour a été construite avec ces colonnes-là. Le contact avec le sol, c'est-à-dire les sables du désert, qui parle prophétiquement du monde, qui est corrompu et qui corrompt, exigeait un matériel résistant. On pouvait pas mettre n'importe quoi. C'est pour cela que le Seigneur a révélé cette base en errant, qui parle de la justice de Dieu. Seulement le Seigneur Dieu pouvait me révéler cela. Les crochets devaient être en argent, tel comme sa couverture, en montrant l'œuvre parfaite, faite de l'argent, qui symbolise notre rédemption, parce que le Saint Jésus a été vendu par 30 pièces en argent, comme dit la Bible. Rédemption qui parle du prix que le Seigneur a payé pour nous. Voyez Daniel et l'autre qui nous assiste, qui ce rideau était pendu par ses crochets en argent. Parce qu'il pointait prophétiquement vers qui?
vers celui qui est venu du haut de la gloire, qui est le Seigneur Jésus. C'est lui qui est venu du haut et nous a ramené notre rédemption. Il nous a apporté le salut de la même manière que la croix du calvaire, où Jésus a été accroché du haut, est descendu son sang du haut de la croix. Le sang de la rédemption, le sang puissant du Seigneur Jésus. On va résumer, bien-aimé, que nous avons déjà résumé ici, dans ce tableau ici. Les rideaux en lin, comme nous avons déjà dit, qui entouraient tout le tabernacle dans la partie externe, c'était en fait le mur du tabernacle, pointait vers la sanctification. Et ici, les bases en bronze des colonnes, qui on a déjà parlé, qui symbolisent la justice de Dieu. C'était le contact avec les sables du désert. Ce n'était pas le bois qui avait le contact avec le sable, c'était le bronze. La couverture est crochée en argent, qui pointait vers la rédemption. La rédemption qui est venue du haut, qui est venue du haut, à travers le Seigneur Jésus. Combien de richesses, combien de richesses. Les matériaux utilisés dans le tabernacle, Saint-Jean, c'était des matériaux nobles. Oui, c'était une construction qui avait de la beauté. Mais la plus grande beauté, c'est le prophétique. C'est ce qui est derrière l'architecture du dessin, de ce qui peut même sauter les yeux comme une curiosité. Mais le plus notable, c'est le prophétique qui pointait vers le grand projet de Dieu, le projet du salut à travers le Seigneur Jésus, oui, et du sang qu'il a versé à la croix. Amen. Nous allons participer maintenant d'une louange. Cette louange parle sur la prière. Vous avez déjà expérimenté à prier? Vous avez une expérience avec la prière? Regardez, je voulais vous faire une invitation en ce moment. Pendant que vous écoutez la louange, expérimentez la prière. Ne vous en souciez pas avec des beaux mots. Dieu n'est pas préoccupé avec des discours. Dieu va regarder et ce qui va lui plaire, c'est la sincérité de votre cœur. Tout ce dont vous allez prier, demander, comme dit la Bible, quand la Bible enseigne, demander au nom de Jésus. Meus ouvidos a minha voz quando a ti.
Gloire à Dieu, loué soit le nom du Seigneur. Le chrétien en Jésus, c'est le tabernacle. C'est le tabernacle où Dieu veut habiter, faire habitation dans la vie d'obéissance. Le serviteur de Dieu témoigne au monde à travers le rideau de lin qui, comme nous avons dit, parle de la sanctification. Le serviteur de Dieu, il témoigne au monde sur ce salut. Le rideau, les rideaux, il était pendu sur des bases en bronze, qui est ce qui représente la justice de Dieu, avec les détails en argent. Et ce détail pointe prophétiquement la rédemption par le sang du Seigneur Jésus. Nous allons avancer maintenant en montrant la porte de la cour externe, dont la description se trouve en Exode, chapitre 27, verset 16. Et la parole de Dieu nous dit: pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées, bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors, en ouvrage de broderie, avec quatre colonnes et leurs quatre bases. Nous allons voir maintenant une figure illustrative de la porte du parvis et ses quatre colonnes. Comme se trouve ici le tabernacle, toute cette porte ici, qui est ce rideau ici. Donc, c'était l'entrée. Et cela montre exactement toute cette beauté prophétique de Jésus à l'Ancien Testament, la révélation, exactement. Voyez bien, Sergio, que la porte qui donnait accès à la cour, au parvis, cette porte ici, elle était large. Cette porte pointait vers quoi? Pourquoi elle était large? Cela pointe prophétiquement vers le Seigneur Jésus. Parce que, observez bien, par la raison, une porte large, mais regardez, Jésus n'est pas la porte étroite, mais par la révélation, nous voyons que cette porte ici du tabernacle est large, parle du salut universel. Allez par tout le monde, prêcher l'évangile à toute créature. Jésus se révèle et il se présente comme le sauveur. Son invitation est ample. Et la parole dit le suivant: venez à moi, quelques-uns, pas peu, mais venez à moi tous, vous tous, qui êtes fatigués et opprimés, et vous trouverez des repos pour vos âmes. Vous êtes fatigués? Vous êtes opprimés? Vous êtes attristés? Il y a un poids dans votre cœur? Vous êtes sans espérance? Regardez, l'invitation s'adresse à tous. L'amour de Dieu touche à tous. La porte était large parce que tous ceux qui voulaient confesser et recevoir la bénédiction de Dieu pouvaient passer par elle. Gloire à Dieu. Nous observons aussi que les quatre colonnes de la porte du parvis extérieur nous donne une indication prophétique notable dans une représentation des quatre évangiles qui, plusieurs siècles après, allaient être écrits par Matthieu, Marc, Luc et Jean. De la même manière, il est notable de voir les aspects prophétiques par rapport au Seigneur Jésus des quatre principales couleurs de la couverture qui était sur la porte du parvis: le bleu, le pourpre, cramoisi et le lin. Le pourpre pointe prophétiquement vers la royauté, qui pointe vers l'évangile de Matthieu. Parce que Matthieu, il commence son évangile, prêtez attention, en décrivant la généalogie du Seigneur Jésus.
Et en lui présentant le Seigneur Jésus comme roi, avec la garantie du trône qui était assuré au Seigneur Jésus. Déjà au premier verset de Matthieu, chapitre 1, verset 1, qui disait « Livre de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David. » David, ce jour, ça a été le plus grand roi d'Israël. Roi qui a laissé une lignée royale. Et le Seigneur Jésus est montré par Matthieu exactement comme venant de la lignée royale d'Israël. Le cramoisi qui parle du sacrifice qui est bien présenté par Marc dans son évangile. C'est à la couleur qui nous parle du sang et de l'expiation faite à la croix du calvaire. Ce rideau, cette couleur cramoisie parle prophétiquement, comme j'ai déjà dit, à l'évangile de Marc qui présente le Seigneur Jésus comme un serviteur qui est venu pour souffrir et être mort. Ce rideau cramoisi parle que le Seigneur Jésus est mort une seule fois par tous et pour tous. Il était homme et comme homme, sa sainteté a été mise à l'épreuve. Adam, le premier homme, comme il a été éprouvé, il a chuté. Le Seigneur Jésus, non. Le deuxième Adam, il a été tenté dans toutes choses, mais il a vaincu. Le lin, fin et retors, pointe vers la sanctification. C'est la présentation de Jésus par Luc, qui était un médecin. C'est sans doute la plus détaillée. En elle, l'évangéliste Luc décrit les détails si importants de la vie de Jésus comme un homme. Ce rideau de lin parle du Seigneur Jésus comme un homme parfait. Finalement, le bleu qui représente la divinité, le rideau que le souverain sacrificateur a habillé, était bleu dû au caractère et le service du Seigneur Jésus qui sont venus du ciel et sont venus vers là-bas. Et cela nous ramène à l'évangile de Jean. Jean, il a commencé son évangile en présentant le Seigneur Jésus comme Dieu. Et Jean ne présente pas la généalogie de Jésus, parce que Jésus était du ciel et est de Dieu, comme enregistré en Jean chapitre 1, verset 1, qui dit, au début était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Amen. Donc, bien-aimés, tout dans le tabernacle était de grande valeur et beaucoup de beauté. Tout était prophétique et qui faisait référence au Seigneur Jésus en nous apportant de diverses autres révélations de Jésus à l'Ancien Testament et le salut. Le tabernacle, ses ustensiles et les cérémonies qui étaient ministrées pointaient vers beaucoup des aspects prophétiques du Seigneur Jésus et du grand salut qu'il donne à tous ceux qui croient en lui. En Jésus, l'Église fidèle retrouve toutes les bénédictions spirituelles. Le Seigneur Jésus est tout ce dont nous avons besoin. Maranatha, le Seigneur Jésus vient. Gloire à Dieu. Amen. Dans le prochain programme, nous allons donner continuité à cette thématique. Jésus à l'Ancien Testament, à travers les caractéristiques prophétiques du tabernacle. Une fois qu'il y a une richesse et on ne peut pas épuiser dans cette thématique, comme l'arche de l'Alliance, l'autel des holocaustes, le candélabre en or. Il y a une interaction, le chandelier en or, les leçons du Manaïm et l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha, qui se passe tous les dimanches à 10 h du matin par notre canal sur YouTube. Continuez avec nous en regardant la programmation, en annonçant l'Évangile éternel, avec les tableaux qui vont suivre.
Vous pouvez voir encore une fois à l'écran le QR code. Vous pouvez approcher la caméra de votre smartphone vers ce code. Et immédiatement, vous allez être dirigé vers le numéro de WhatsApp à travers lequel vous pouvez nous envoyer un message, une suggestion, un témoignage, une expérience. Votre suggestion, votre question est important pour nous. À tous, la paix du Seigneur Jésus, la paix du Seigneur. Quelle profondeur merveilleuse des révélations que le Saint-Esprit nous a ramène dans la parole de Dieu. Maintenant, nous allons parler, nous adresser aux enfants, intermédiaires et adolescents. Aujourd'hui, dans notre tableau Parfaite Louange, la professeure Janaïna va nous montrer d'autres participations. Il va nous enseigner à jouer de manière simplifiée la louange, viens vers le milieu, dans la flûte douce. Prenez votre instrument et nous allons apprendre. Je salue à tous, spécialement nos enfants intermédiaires et adolescents, dans la paix du Seigneur Jésus. Nous sommes très joyeux en voyant la participation des parents donc, il stimule ses enfants dans l'apprentissage de l'instrument. Les personnes dans le groupe d'accessibilité participent de plus en plus. Cela est une joie pour nous. Nous sommes tous ensemble, dans un seul corps, un seul esprit, dans l'adoration de notre Seigneur. Nous allons assister les participants d'aujourd'hui. Mel Araujo, de l'église de la ville de Salvador, dans l'état de Bahia, au Brésil. Moïse, de 3 ans, et Caleb, de 4 ans, de Vila Velha, Espírito Santo. Philippe Mendes, de 8 ans, qui joue ukulélé. Janaúba, Minas Gerais. Gabrielle, de 10 ans, et Sarah Colen, de 4 ans, de Cacoal, dans l'état de Rondônia, au Brésil. Voici les frères et sœurs Esther et Manuel, de 12 ans, 8 ans, Esther et Manuel, de 12 ans, de Barreiras, Bahia. Caleb Almeida Lopes de Souza, de 8 ans, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Jean. João Fernando Cartacho, de Portugal. Cartacho, de Portugal. Aujourd'hui, notre étude va être plus dirigée à ceux qui jouent de la flûte. Nous allons apprendre de manière simplifiée l'introduction de la louange vient vers le milieu. Nous avons déjà appris toutes les notes naturelles. Nous allons nous rappeler note do, ré, mi, fa, avec la main gauche. Sol, la, si, do est aigu et le ré aigu. En rappelant que le ré, le trou de derrière va être ouvert. Mais afin qu'on puisse jouer cette louange, nous avons besoin d'apprendre deux notes nouvelles, Do dièse et Fa dièse. Nous allons voir la note Do dièse. Nous allons garder tous les trous de la main gauche comblés. Et en bas, où il y a deux trous, nous allons laisser un ouvert. Do naturel, Do dièse. Nous allons voir la flûte. Do naturel, Do dièse. Maintenant, nous allons entendre. Maintenant, nous allons apprendre la position de la note Fa dièse. Nous allons garder la main gauche qui va boucher tous les trous. Et nous allons garder le quatrième trou ouvert et les deux derniers trous ouverts aussi. Fa naturel, Fa dièse. Nous allons voir ici à la flûte. Celui-ci est le Fa naturel.
et celle-ci fa dièse. Nous allons entendre. Nous allons connaître la partition. Elle est la même que nous allons utiliser pour jouer l'instrument avec le clavier. Nous avons levé la doigté. Le ton, c'est le même, sol majeur. Nous allons lire les notes. Mi, 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 fa, mi, do, sol, si, la, sol, mi, do, mi, la, si, ré, ré. Maintenant, dans cette première fois, nous allons jouer doucement. 1, 2, 3, 4. 4. Mais afin de jouer ensemble avec la louange, le rythme doit être plus rapide. Nous allons compter. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Très bien. Continuez à vous entraîner. Amen. Dans la prochaine étude, nous allons apprendre ce chant en deux instruments de percussion, le choukalou et l'autre instrument de choukalou. Maintenant, je vous invite à prendre votre instrument pour jouer ce chant. Viens vers le milieu. À paz tous, la paix du Seigneur Jésus. Jésus est la porte. Aujourd'hui, nous avons vu dans le tableau les songes de Manim que chaque élément du tabernacle a une signification prophétique. La professeure Andrea Canal va apporter aujourd'hui pour les enfants, intermédiaires et adolescents l'enseignement sur la porte du tabernacle, comment elle représente prophétiquement le Seigneur Jésus. Nous saluons à tous les enfants, intermédiaires et adolescents, et à tous qui nous regardent dans la paix du Seigneur Jésus. La thématique de notre étude, c'est Jésus la porte. Nous allons lire le texte de base pour cette étude qui, dans la Bible, se trouve dans le livre d'Exode, au chapitre 27, la première partie du verset 16. Et à la porte de Parvis, il y aura un rideau de 20 coudées. Mais bien-aimé, quand Dieu a délivré son peuple de l'esclavage de l'Égypte, le tabernacle a été un endroit choisi par Dieu pour l'endroit de son habitation. Dieu voulait habiter parmi son peuple. Pour cela, il a ordonné que
les tentes soient montées à côté du tabernacle, autour du tabernacle. Dieu allait verser beaucoup de bénédictions sur le peuple le long de toute sa marche dans le désert. Et la plus grande d'elles, c'était de révéler Jésus. Ça, c'est la raison que Jésus a représentée dans tout le tabernacle. Cette image nous montre le tabernacle. Tout le matériau utilisé dans la construction pointe vers le Seigneur Jésus. Et comme il s'agissait d'une marche dans le désert vers la terre promise par Dieu, tout dans le tabernacle se démontait facilement. Nous aussi, nous sommes de passage ici, car le royaume de Jésus n'est pas de ce monde. Nous sommes en train de marcher vers la Canaan céleste, l'éternité avec Dieu. Tout le tabernacle était encerclé par des rideaux de lin retors, doublés. Il y avait une seule porte d'entrée, d'accès au parvis, et au tabernacle se trouvait la présence de Dieu. Jésus a parlé sur la porte. Jésus a dit, « Je suis la porte. Celui qui entre par moi se sauvera. » Il y a un enseignement merveilleux pour nous. Jésus est la seule porte d'accès à la présence de Dieu le Père, le résultat de Dieu. Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus est notre unique sauveur. Et à quoi sert une porte? La porte sert de passage d'un environnement vers l'autre. Quand nous acceptons Jésus comme notre sauveur, il nous enlève de la mort éternelle vers la vie éternelle. Quand nous passons par la porte qu'est Jésus, nous retrouvons la paix pour notre cœur. Nous retrouvons l'abri sûr, ce qui est le meilleur. Nous retrouvons le salut, la vie éternelle. Cette porte du tabernacle était un rideau de lin fin retors qui représentait la sainteté du Seigneur Jésus. Et sur ce lin, il y avait des bordures en bleu et pourpre et carmoisi, en montrant l'amour, la royauté et le pouvoir du sang de Jésus. Cette borderie si merveilleuse était une invitation pour entrer par cette porte et avoir accès à l'endroit de l'Holocauste pour recevoir le pardon de Dieu. La porte, elle n'était ni en bois ni en métal. Elle était faite de tissu. C'était si simple d'entrer pour elle. Il n'était pas nécessaire de faire des efforts. Même un enfant très petit, elle arrive à passer par une porte qui c'est un rideau. Le salut en Jésus, c'est comme ça. Elle vient, elle s'adresse à tous. Elle n'est pas lourde, elle n'est pas difficile. Toute et n'importe quelle personne peut accepter Jésus comme son sauveur. Et vous savez pourquoi? Parce que Dieu, il nous a donné gratuitement ce salut. Dieu nous a aimés tellement qu'il nous a donné son Fils unique, afin que toutes les personnes qui croient en lui ne périssent point, ne meurent point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Et cette porte du tabernacle, elle était très haute. Elle avait à peu près 2 mètres et 30 centimètres, de manière que celui qui était à l'extérieur ne pouvait pas voir ce qui se passait dedans. Il n'avait pas la notion du sacrifice dans l'autel des holocaustes. Le moment quand les sacrificateurs se lavaient dans l'évier en bronze, elle n'avait pas la notion des ustensiles, l'argent en or. Celui qui est dehors de la présence du Seigneur n'arrive pas à voir comment il est merveilleux de servir le Seigneur et son soin d'écouter sa douce voix à parler à notre cœur. Jésus est celui qui a pardonné nos péchés, a guéri nos blessures et a essuyé nos larmes. Vous avez déjà entré par cette porte du salut qui est Jésus. Il y a 2 possibilités. Ou vous entrez par la porte ou vous restez derrière, à l'extérieur. Et l'invitation pour vous aujourd'hui, c'est entrer par la porte du salut qui est le Seigneur Jésus. Jésus, il veut vous donner aujourd'hui même une nouvelle vie. Jésus veut vous donner à vous le salut, une vie vida éternelle, eterna. La paix paz do Seigneur Jésus. Vamos
Vous avez été touché par le message transmis à travers cette programmation. Vous aimeriez connaître l'Église Maranatha. Vous n'avez pas encore eu une expérience réelle avec le Seigneur Dieu. Je veux vous rappeler que connaître Dieu est plus que connaître la théologie, la philosophie ou des histoires de la Bible. C'est d'avoir une expérience réelle avec lui. Si vous avez besoin d'une prière ou d'une assistance, appelez à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit vers ce numéro 0800-707-3076. Ça, c'est le numéro exclusif pour répondre à tous ceux qui ne sont pas encore membres de l'Église chrétienne Maranatha au Brésil et ont besoin d'une parole de la part du Seigneur ou même d'une prière. Je veux vous rappeler que nous sommes déjà retournés à nos activités présentielles dans nos églises. Nous avons déjà des cultes présentiels en observant les soins et les orientations des autorités de la santé. Donc, les cultes se passent pendant quelques jours de la journée, mais nous allons continuer à transmettre des cultes inédits tous les jours à 20h à travers notre canal YouTube. Et dans samedi prochain, le 26 septembre, on aura un séminaire 100% en ligne dirigé vers les dames, les sœurs. Vous pouvez vous écrire par votre église ou à travers le site de l'Église chrétienne Maranatha à l'adresse églisechrétiennemaranatha.org.br séminaire. Ne ratez pas. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et le Facebook. Accédez au site de l'Église chrétienne Maranatha et Radio Manaïm. Téléchargez les applications gratuite, profiter pour naviguer et nous connaître davantage sur nous et nos plateformes numériques. Dans l'application La Radio Manaïm, vous écoutez la radio 24 heures par jour en direct. Vous pouvez encore entendre et partager des podcasts de messages. Et ainsi, nous arrivons à la fin de cette édition de la programmation de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Et je veux vous rappeler, tous les dimanches au matin, à 10h, dans notre canal YouTube, vous pouvez assister à l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha. Et dans la semaine prochaine, si le Seigneur le permet, nous serons ensemble encore une fois à ce même horaire pour une programmation de plus. Maranatha, le Seigneur Jésus vient.